Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Attends, j'ai le Ouais. Game Ranger qui bouge, mais alors mon jeu. Faut peut-être Alors, attendre j'ai un pas petit lancé le délai. jeu. J'ai pas le. Ah, c'est pour ça que j'ai rien. D'accord. J'ai pas lancé le jeu pour l'instant. Donc, est-ce que t'es prêt? Bah oui. Alors, c'est parti. On va dire bonjour à tout le monde déjà. Salut tout le monde. Salut le chat. Bonjour à Bonjour vous. tout le monde. Oui, aujourd'hui. Explication. Ouais. Vas-y. Explication de l'image figée du sage. C'est ça. C'est une photo parce que la webcam a pris congé. Bah, bienvenue, hein. On va faire un petit Command & Conquer pendant 2 heures. Jusqu'à midi. Ouais. J'étais partant. Voilà. Et ben c'est parti, on va jouer en multijoueur. J'ai lancé le stream de mon côté. Déjà, je lance le jeu. Ok. J'ai oublié les raccourcis OBS. Je sais plus comment on fait pour lancer l'enregistrement. Zut. Contrôle S. Non, je sais plus. Non, ça s'est sauvegardé dans les logiciels. Oh, je sais plus non plus, pardon. Mais non, mais Nayone, je l'ai pris à témoin. J'ai essayé de me battre avec ma webcam ce matin. Elle veut pas et j'en ai marre. Alors, il y a un problème, c'est qu'il ne se gêne pas pour afficher l'IP, le jeu. Ton IP. C'est pas. Ça va, j'ai une bonne protection. D'accord. C'est pas un secret d'État. C'est vrai que par principe, t'es censé la dissimuler, mais. J'ai remarqué dans ma communauté quasiment tous les jours. Quelqu'un m'a envoyé une info comme quoi le dernier jeu là, de Blizzard, Diablo 4, il balance carrément au public. Il faut faire gaffe pour ceux qui diffusent le jeu. Vous avez toutes vos infos confidentielles, c'est Nigo, on n'a rien masqué, et ça apparaît en. Alors faut que tu bouges la souris. Oh, il bouge la souris! Normalement Et ça va le apparaître le menu, menu. il est à pas lui. Donc dans Multijoueur. multijoueur, network local. Network local, ça veut dire. Réseau ou Réseau local. ligne? Pas réseau. Réseau. Forum, LAN, où êtes-vous, Nayunus? Je ne vous vois pas. Alors, Connexion premier problème. directe. Tu me vois pas. Connexion Alors, tu me directe, vois je pas, ne tu vous me vois vois pas, pas. tu me vois pas. Pourquoi tu me Il vois est pas? où? Ça commence bien. Tu dois me voir dans la liste. Non. Non, non, je me vois moi. C'est déjà pas mal. Alors, je vais re-héberger la partie. Mais Je vais je ne entendre suffis rien. pas. Ah! J'ai vu un truc apparaître au-dessus de moi, mais j'ai pas de. Ah, te v'là! Voilà. Il est là, le Nayunus! C'est beau. Alors, attends, je vais faire une petite manipulation avant de commencer. Tu vas astiquer le scud que tu vas m'envoyer dans la gueule dans 5 minutes. Ah voilà! Hop, je fais juste un. Il y a un petit problème. Tac, j'ai une petite manipulation, excusez-moi. Je suis un vilain. J'ai oublié de mettre la fenêtre de. Oui, moi je peaufine mon. Est-ce que tu m'as vu là dans la partie ou pas? Alors, Non, je tu me vois t'avais plus. vu, mais attends, là je suis obligé de faire des réglages en catastrophe. Parce que Oui. l'imbécile que je suis a oublié de. Ah bah tiens, bonjour Torota, voilà. J'avais pas mis le chat, donc je voyais pas les gens arriver. Ah, Bonjour salut. Torota. Salut Torota. Comment Oh. vas-tu? Ouais, nous ça Enfin, va, moi ça va, je merci. sais pas, le sage. Bah, moi j'ai bien Oui, voilà. dormi, j'ai pioncé comme un loir 10 heures parce que mon corps me le réclamait. Donc là, je me sens mieux et j'espère que je vais rester stable, Alors, je contrairement vais à hier réhéberger où une j'étais partie. claqué. Non, mais je te voyais arriver! T'es Attends, là, j'arrive. Nayone! Excuse-moi, je suis en train de faire la causette à Torota, du coup. Ah, je suis tout blanc, je suis transparent. Ah non, c'est bon. Ok, super. Bref, si, ça va bien, merci Torota, j'espère que tu vas bien aussi. On fait tes Lego tout à l'heure. Je sais pas, vers 18h, 17h, 18h. Je continue l'Atari que tu m'as offert, Torota. Comme ça, on sera en vocal libre, on pourra bavarder et puis. Je retrouverai grâce à toi mon âme d'enfant à jouer au Lago. Au Lago. On l'agore, je l'agore, Sais pas si vous je avez l'agore. vu, dans mon Discord, je vous ai partagé un article de presse locale. Il y a un ancien qui s'est fait valider son modèle de Lego. Il avait une cabane dans les bois dont il rêvait depuis qu'il était gosse. Et il a gagné une semaine dans les locaux de l'entreprise Lego pour enregistrer son modèle et le montrer à ceux qui immortalisent les modèles et qui les mettent sur le marché international. Et Ouais. le Nancéen, il a un truc, bah, presque aussi gros que l'Atari là, qui m'a offert, ça fait peur, tôt ou tard. Le machin, il fait 2500 pièces. Oh. Elle Alors, est superbe. Oui? pourquoi tu me vois plus?
Il y est pas. Il te voyait avant, il te voit plus. Bon, j'ai Attends, attends, réhébergé. attends, 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 attends. Je reviens dans multijoueur. Attends, on peut jouer la provoque. En informatique, c'est Vas-y. toujours bon de jouer la provoque. De mettre un coup de pied dans la fourmilière. Salut, ma collection Saka depuis hier avec les grands vents, mais sinon ma santé va très bien. Bon, bah c'est déjà ça d'avoir la santé. Tu Ok. me vois? Pas encore, mais attention, Nayone, je tiens à préciser que c'est pas instantané. Je finissais par te voir au bout d'une. Peut-être pas une minute, mais au bout de 40 secondes. Est-ce que tu peux cliquer en dessous de ton pseudo, s'il te plaît? Oui, monsieur, il ne se Y a passe rien. rien, monsieur. D'accord. Ok. Vous êtes un agent trop secret, monsieur. Pourquoi on me voit faire des... Je trouve que ça a toujours été... Bah sinon, tu héberges toi, vas-y. Pourquoi y était vois pas? Ça, ah, t'es en train d'arriver. Ah non, mais j'ai quitté là. Alors c'est magnifique. Tu apparais quand tu quittes. Voilà. Bon. Je te laisse héberger une partie, donc faut que tu retournes en arrière. Tu veux J'ai bien? rembobine. C'est vrai qu'un. Multijoueur. Bah réseau. Si je suis obligé, je fais créer partie. Voilà, réseau, créer partie. Je vais inviter Monsieur Nayunus. Ah oui, non, tu devrais pouvoir venir. On est copains, hein, je tape pas sur la gueule, t'es trop fort. Voilà, je te vois, oui. Je suis lâche. On va faire. Ah là, je Voilà, te je t'ai vois. rejoint. Une IA Voilà, là facile, ça. une IA moyenne. Peut-être pas une difficile, là. Les difficiles sont chiantes. On va mettre deux moyennes et une facile. Alors, couleur, je sais pas, mais le camp. On va mettre. Toxine du GLA, il sera en orange, le vilain. On va mettre les méchants chinois, ça parle mal. Les blindés, on va s'en prendre plein la gueule. Les chinois, allez, on va les mettre en rose. Mais pourtant, ce ne sera pas des enfants de cœur. En rose, tiens, je vais me mettre au vert, moi. Ah. Tiens, le mauvais goût. J'ai l'explosif. Alors, toi, USA. Je me suis mis à droite. Moi, USA. Oh, je vais privilégier. Ah non, tu fais l'armée de l'air. Ok. Moi, je vais privilégier le. Les super armes. Allez, soyons fous. Super On se met hard. dans la même équipe. One-one. Et les autres? Chacun pour leur gueule? Alors, attends, je vais mettre le GLA avec le GLA. Et est-ce qu'on Ouais. met la Chine avec le GLA ou on la déclare indépendante? Ah bah, Lizzie, elle va se faire défoncer, quoi. Donc on va tous les mettre ensemble, voilà, on va jouer contre leur lit. Ouh, ouh la vache, ça va être dur, mais bon, je vais quand même le faire. Je Ah vais m'en bon? occuper. Tu crois? Oui, mais on va tester comme ça, c'est peut-être Bon, perdu, bah, mais c'est pas grave. ouais, après on changera si... Je te conseille. Limiter Ouais, 50 000. super-armes. Oh, j'ai envie de dire non. Bah non, non, bah non. Justement, non. Choisis ta position sur la minimap. Oui, merci Autorota pour le lurk. Le lurk? Je Ok. pourrais, je vais me mettre là. Les autres vilains, on peut définir. Ah oui, les vilains, on va les mettre à l'angle opposé. Ah bah non, attends, on va les mettre là. C'est mieux! J'ai pas dit! Attends, je vais faire autre Attends, chose. après, test, test. Ah oui. Je vais mettre tout en haut comme ça. Ouais. Non, t'es éloigné, mais ça te donne de l'espace pour Alors. capturer. Lui de Scud. Non, je vais mettre là. Plus de Scud. Purée. Le truc L'horreur. instoppable. Accepté. Acceptard, c'est Moi bon. je bois mon café au lait. Oui, Torata adorable qui laisse son lurk et qui nous écoute, mais s'il te plaît. On va On va faire des dire des foufous. bêtises. C'est On va faire ça. des... On va dire. Je veux dire, attention, Tom Gilles, on voit tes chars ici. Non, mais mes avions se sont fait défoncer. Putain, il y a une bombe atomique. Oh là, le gros mot. C'est ça. Alors, en fait, faut cliquer sur jouer. Ah, Sache. pardon. Le Moi j'attendais de fail. prendre un abruti. Ah, je me dis, tiens, c'est Alors, bizarre, dans ça Rise change of pas. Legends, oui, c'est possible. Hein? Ah, t'as pas chargé? J'ai déjà chargé. Oh, le truc de ouf. Oui, c'est que signifie? Bah dis donc, bravo. Nayonel, il a un meilleur ordi que moi. Ouais. Déjà, je suis obligé de régler les options parce que le truc, Oh. il va trop vite. Chasseur furtif. Je veux chasseur furtif. J'ai voulu chasseur furtouf. Ouais. Oh, je sais plus comment on y joue, j'ai pas joué depuis des mois. Alors que j'adore ce jeu. Du boulot, Made in USA. Yabala, Made in USA. De là, de di, de di, de da. Au réfectoire, il n'y a que du hamburger. Alors, comment ça s'appelle le ça? J'ai une question informatique technique. Oui. Quand tu prends un vieux jeu Allez, au sur boulot. un ordinateur tout récent et
et que tellement l'ordinateur est fluide et qu'il n'a pas été programmé correctement, le jeu, bah, tout va à toute vitesse. Et bah, c'est le cas pour Command & Conquer, je suis obligé de tout baisser pour que ça aille, pour que ça marche. Je sais pas s'il y a un terme technique, mais l'idée est de brider, effectivement, calmer un peu ton ordi pour lui dire il n'y a pas besoin d'autant de puissance de calcul, t'emballe pas. Mais un terme technique, tu vois, je l'ai pas. Mais excellente question. C'est parti. Ouais. Je creuse les fondations. Tac. Oh, système patriote. Il va me falloir de la tunasse aussi. Faut vite que j'organise des ponts aériens pour avoir plein de fric. Ce qu'on va faire, c'est de l'investissement à long terme. Toujours. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui, il est faux. Allez, va construire une autre centrale, ma boule. Attention, là, je me mets en danger parce que j'ai aucune unité de départ. Pareil, je vais faire des avions. Ouais, moi, je vais commencer à faire comme 2-3 GI. J'ai fini. Histoire de... voilà. Est-ce que je vais en mode expansion tout de suite? Ça serait bien que je passe en expansion tout de suite, mais c'est... dangereux. Dying c'est Foundation. Dangereux. Les arbres sont gigotes à toute vitesse. J'ai la tapette. Oh, tu sais qu'on va avoir encore des vents de 75 km/h demain sur Nancy, si on peut. Eh ben c'est bien, les tuiles vont voler. Ouais. Oh non mais. Oh, moi j'avais la rue, c'était, je crois que c'était hier matin. Quand j'ai ouvert les volets, j'ai un voisin qui a une superbe haie, mais un végétal avec des grosses feuilles, presque des feuilles de rhododendron. Donc la feuille, elle fait la taille de votre tête, quoi. Tout était par terre. Putain, c'était fou. Toutes les feuilles avaient été arrachées. Et ça faisait un parterre de feuilles devant chez moi. C'était trop bizarre. Feuilles jaunes ou feuilles orange? Pardon. Pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Feuilles jaunes ou feuilles orange? Bah, il y avait une ribambelle des trois couleurs de l'automne, c'est-à-dire un restant de vert, du jaune et de l'orange. D'accord, ok. Donc d'un point de vue artistique, c'était beau, mais j'aurais pas aimé être piéton à ce moment-là, parce que ça devait être super casse-gueule. Des grosses feuilles comme ça qui se décomposent au sol sous temps humide et froid, ça... voilà. Je dis pas que c'est équivalent de dépôt de plaques de givre, mais pas loin. Impossible. Du boulot made in USA. Made in USA. Oh yeah. Made in the USA. C'est fini. Je vais pointer. Oh, on a des nouvelles de Joe Biden. C'est un bon coin. Comment il va, monsieur? Le job, quoi? Joe Biden, le président actuel des États-Unis. Ah. Bah, depuis que on a plus de bulletin de nouvelles pour la dernière connerie du jour de Trump, qu'il est plus au pouvoir et que Joe Biden est quelqu'un de posé, oserais-je dire, conventionnel comparé à son prédécesseur. Je sais pas pourquoi, mais moi, je me sens en vacances. Mais vraiment, c'est... Waouh. Bah, c'est passé de républicain à démocrate, donc c'est un peu plus cool. Non, mais ça va au-delà de l'idéologie, quoi, partisane. C'est vraiment le type, quoi. Le gars, il faisait des frasques et des bourdes, mais chaque jour, je savais que j'avais un bulletin d'information qui allait m'arriver dans mon fil d'information du jour. Où Donald Trump a fait telle connerie. Oh, c'était saoulant. Ouais. C'est un bon coin. Je les prends rien, mais je fais des hélicoptères pour nous défendre. Donc si tu te fais attaquer, tu m'alertes. Tu lances une alerte. Ok. Alors. Non, je déconne. Je suis peut-être un test à blanc. Un boulot pour moi. Le charge de commandement tactique, je le veux. Sortez l'échafaudage. Je l'ai déjà. Ta-ta-da. Moi je lui demande des F-118, là je sais plus, les chasseurs furtifs. Et aussi des hélicoptères. Je veux 5 hélicoptères. 4 mirages. J'ai la guerre. Regarde thermonucléaire. Thermonucléaire, ouais, c'est ça. Du boulot made in USA. Du boulot made in USA. Bon les gars, hop là, ça commence déjà à être mou, là, ça réagit pas. Mais pourquoi ça attaque pas? Mais ça n'a pas de sens. Ah, tu te fais patater déjà? Bah, ils réagissent pas, mais j'ai une troupe encore. Oh oh. Chiant. Parce que moi, je suis encore en vacances, là. Alors, ma station Club Med. J'ai oublié de faire. Allez les gars, on décolle, on se bouge, on se bouge. Voilà, on a allez les gars, on a
Et voilà, ils ont cassé un aéroport merde. Oui, j'allais dire, ma base commence déjà à être tellement grande que je sais plus où sont mes deux bulldozers. Bulldozer, bien. Je sais plus, t'aimes bien toi la série de construction anneau? J'ai acheté les 4 premiers, mais j'ai pas encore joué. Enfin, j'ai parcouru rapidement. Ouais. Mais il y a un multijoueur, j'en ai parlé en plus, je crois. Parce que Anno, je les aime bien, et surtout le futuriste là du 2000, je sais plus, j'ai la chance de l'avoir dans ma bibliothèque de jeux. Oh, je l'adore, mais il est tellement complexe que je suis allé qu'à la moitié de l'exploration de ses possibilités. Parce que j'ai la chance de l'avoir, tu sais, en version complète avec toutes les extensions. Et on gère même le sous-marin maintenant. Donc la vache, ça fait un deuxième plateau de jeu. C'est énorme. Et j'aime beaucoup les anneaux futuristes, j'adore. Mais c'est tellement prenant qu'il faut que tu poses 15 jours de vacances pour faire une vraie partie de A à Z, tu sais. Tellement que c'est dans la durée. Ouais. Ah. D'accord. Mais je suis qu'à moitié ce que tu dis parce qu'en fait je suis en train de gérer complètement les combats. Première question, quel était le nom du jeu dont je t'ai parlé il y a 10 secondes? Metal Gear Solid 2. Non, je... Ouais, bien sûr. Là, c'est pas Solid Snake, là. Il est brisé, le serpent. En deux. Il y a d'autres trucs à faire? Oui, il y a d'autres trucs à faire. Une piste à pognon. Oh merde! Ah oui, non, c'est vrai qu'il me rapatrie de fric. Je me dis, mais il fait quoi cet hélicoptère? Il prend, déclare son indépendance. Tu m'étonnes, il file vers la première. On va faire un peu de voltige. Réserve. Non, oui, c'est automatique, hein, les ouais, trucs ouais, là. Ouais. Ah merde, ça y est, alarme! Qui c'est qui m'attaque? Les Chinois roses. Enfin, si c'est les Chinois. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh! Non! Au secours! J'arrive, mais les trucs sont en mouvement. Merci, monsieur. Ah, non mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai perdu 4 hélicoptères. Ah, c'est pas possible. Oh mon dieu, 4 hélicoptères cassés. Ça coûte cher, vite. Construisez 4 hélicoptères, les gens. Allez, 2 par aéroport. J'ai mes super bombardiers futifs. J'adore. Je veux... Super bombardier futile. Ah, c'est utile. C'est pourquoi? C'est pourquoi pour une livraison Amazon, abruti. Ah. Je retourne chez moi. Mickey. Helico. Merde, j'ai deux bulldozers et j'en ai perdu un de vue. Et puis j'aurais pas donné des codes au clavier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le blague, lui. Allez, non mais faut attaquer des quads en premier, les gars. Liquide. C'est un bon coin. Oh la vache. Le canon à ion, il se fait désirer, évidemment. Alors attends, qui est qui? Non, toi t'es là, effectivement. Oh la vache. Oh, t'as fait un truc super propre ordonné. Moi c'est de la... Ouais, ah, attends. T'as revendiqué un Derrick. Oh le malin. Non mais il faut contrôler la map, là j'ai revendiqué aussi un truc au nord mais j'ai pas fait vraiment un étalement énorme. Ah moi j'ai rien revendiqué du tout, moi je suis un idiot. Pose les fondations. Moi je ne sais plus jouer monsieur. La la la. Pas possible. Je sais pas. On attaque notre base. Quoi? Qui c'est qui m'attaque? Qui que quoi? Comment qu'est-ce? Je demande de tenir position. Oh la vache, la plus de missiles. Non, j'ai perdu des unités. Donc, oh, il bousille tous mes hélicoptères. Vous êtes des gros vilains, allez mourir. Alarme! Unité perdue. Oh non! Attends, il... Ah oui, bah non, l'autre il construit le... Ah bah non, ils m'ont détruit, c'est pour ça que ça n'avance pas. Ils m'ont détruit mon bulldozer. Alarme! Je suis en train de perdre des centrales nucléaires. J'arrive. Pourquoi ils bougent pas leurs fesses? Allez, les gars, on y va. Bah. Ah oui, j'ai un bug. Tu as raison, mes unités refusent les ordres. Que signifie? Mais c'est attends, quoi cette... J'ai du mal à contrôler le jeu. Attends, j'ai vraiment du mal à contrôler le jeu, je galère. Non, j'ai juste mourir, mais... J'ai 4... J'arrive. Non, t'es pas encore sur le point de mourir. Décoller. Bah. Mais c'est un scandale.
Voilà, protège le secteur. Merci, parce que là... Mais attaquez les... Oh là 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 là, il faut pas les faire furtifs, il y a des discos comme manche. J'ai beaucoup de dégâts à vie. Attends, mais ils m'ont zigouillé tout, mais deux heures, là, j'ai plus de construction en cours. Ah non, lui, il est fait prisonnier, merde. C'est ma faute. Je l'ai emprisonné avec mes constructions. Bon, tant pis. C'est un bon coin. Wow, il est où le bulldozer? Ah oui, merde, il est là. Je suis un idiot, oh là 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 là. Oh les gars, oh la vache, oh la vache, oh la vache, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Oh là là, là tu as réparé l'aéroport. Attends, je fais mon possible pour tout le reste. Mais j'ai un gros problème. J'arrive pas alors, à donner des ordres à mes unités. Le quel type d'ordre? Alors, le bulldozer est en train de travailler. Pardon. Non, mais j'ai un aveu honteux à faire. J'ai confondu clic gauche et clic droit. Non, mais ce jeu-là, il est spécial, hein, parce que tu peux configurer ça, justement. Ah. Non, mais là, je prends cher. Je prends très cher. Je donne pas cher dans ma peau si j'ai un autre assaut dans la tronche, parce que je gère vraiment mal. J'essaye, hein, mais je suis mauvais. Et vous promets que je fais le meilleur de moi-même. Un boulot pour moi. Du boulot made in USA. Ah, ça y est, mon super canon va être construit. Suite. Je galère à gérer mes trous. Désolé, hein. Je suis vraiment là-dessus, je suis bousique. Ouais, ça. Comme dire. Mais non, mais non, mais les hélicos, faites pas n'importe quoi. Oh là là. Et ça commence déjà. Mais non! Je trace ma route, je trace mon chemin. Allez les gars. Allons patate et la gueule. Voilà. Ah là 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 là. Bonjour, je retourne chez moi. Faut que je retourne chez moi mec. Ok. Désolé. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais non. Oh, ils sont fait tous descendre par deux gatling de merde. Alarme. Je sais, je peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai trop de thunes. Ah, au secours. Ils m'ont neutralisé. Mais attaqué. Oh là 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 là, les empotés. Je peux rien réparer. Je crois que je vais quever. Au secours, les pilotes évacués, vous allez vous faire tuer. On va vous sauver, on va appeler un appareil de l'ONU. C'est chiant à sélectionner, c'est vraiment chiant. C'est horrible. Vous pouvez détruire. Mais vraiment. Non. Vite. Merde, j'ai plus de thunes. Je peux plus rien faire. Je suis en défense, je suis chez toi, je suis chez oui, toi, je le sais, sage. Merci. Mais... Ils sont trop là, c'est peut-être un peu... Ouais, t'as mis trop de... Oui, je sentais pas cette partie. Je me souvenais plus que c'était si violent. Je suis désolé, Nayonet. C'est pas grave. Alors attends, je vais vraiment te défendre, parce que moi je suis tranquille. Alerte. J'ai plus d'avion. Tapis. Tout... Et c'est eux qui ont les super armes, nous on a rien encore. Ah non, j'ai des bêtises. Moi j'ai le canon en particules. Ah ah ah, attendez. Vengeance! Je n'ai rien dit, excusez-moi. Oh, c'est chiant, les groupes de contrôle, putain. Oh, il me reste 100 dollars. Oh putain, le mec, il est dans. Pour 56 000 dollars, il te reste 100 dollars. 100 dollars, ouais. 100 dollars de la muerte. C'est un bon coin. Ah, faut que je lui dise de reprendre le boulot? Oh là, ça rame. Oh la vache. Un petit chantier de construction? Bon, j'ai plein de thunes, mais c'est un défaut de jeu, c'est qu'il y a plein de thunes, mais je peux pas t'en donner. D'accord, d'accord. Oh, oh là là là, ça craint, ça saccade un max, ça saccade un max. Il y a trop d'unités sur la carte, la carte est trop grande. Mais les gars, attaquez, mais restez pas là, il y a pas. Oh là 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 là. Allez, unité. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Oh là là, c'est pas possible. Mais je veux sélectionner uniquement des villageois, je veux pas. Oh merde. Je suis coincé. Ah non, mais il s'est installé chez moi, le gars. Allez, il s'est infiltré partout. Je défends deux fronts à la fois, c'est assez dur. Oui, merci, tu es très fort. Vif et rapide. C'est dur, 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 dur. Je n'en doute pas, tu es très très fort. C'est trop dur. Non, non, pourquoi ça désélectionne? Mais il y a encore des erreurs de codage sur le jeu. Wow, mais regarde, mes hélicos, ils sont au-dessus de chez toi, ils te défendent pas, quoi. Dissidence. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi.
Genre je fais une attaque et voilà, ils font rien. C'est l'IA, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le... C'est un massacre. Bonjour le coyote. C'est le bonheur de ça. Allez, vous savez défendre ou pas, non? Vous êtes l'armée de l'air. Vous êtes une armée de l'armée de l'air ou l'armée des rois empotés là? L'armée des clampins. Exactement. Ah mon dieu, je peux espionner le monde. Ils sont aussi gros que ça. C'est donc deux. C'est n'importe nawak. Comment que ça va le coyote? On va se prendre un missile dans la tronche, mais c'est pas grave. Un missile dans la gueule. Toujours prêt. Salon patrie, joyeux, joyeux. Oh là mon dieu. On va faire un peu de voltige. Donc le missile nucléaire, je m'en fiche, mais ce qui m'intéresse, c'est le missile scud. Oh non, c'est furtif! Je suis obligé de le prendre dans la tronche. Oh merde. Ouch. Je suis désolé, on va se prendre un missile nucléaire dans la tronche. C'est douloureux ou... Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi je vais faire un autre pont aérien, un peu de la tenace. Canon à particules prêt. Allez les gars. J'ai du boulot. Ah, je vais les cuire. Ah, bien joué, Nayonet. Mais on va se prendre un missile dans la tronche. Non, non. Ça y est, c'est parti, le missile va arriver. C'est bon, on l'a pas pris. Unité perdue. Maintenant, on va faire un autre truc. On va faire des bombardiers Aurora. Non, pas eux, pas eux. Je suis vraiment en train de gérer comme je peux, je fais des raccourcis dans tous les sens, le truc est... Et non, mais pourquoi ça rotate comme ça? Oh putain, c'est chiant. Canon à particules, prêt. Le particule... Uplink cannon. On va se prendre le particule dans la tronche, toi au moins. Non, c'est moi qui tire. Je l'ai remis dans la gueule. Ah, c'est toi qui as le missile nucléaire, ok. C'est moi qui ai le rayon laser. J'ai à moitié cramé leur centre de commandement. Ils font moins les malins. Unité perdue. Ouais, ça va bien le coyote. Ouais, bah ça va bien. J'ai fait un bon gros dodo, j'avais besoin. 10 heures de dodo, mais je joue très mal. Oh non! Non mais il faut attaquer les quads, les gars. Oh, mais le temps de réaction! Attends, je sais plus ce que je dois faire là. Ah oui, vous centrez électrique. J'en ai plus. Impossible. Oh oh. J'ai petit souci. J'ai un... Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Le temps de gérer le rayon chez l'ennemi, moi je me suis fait emboutir, mais alors... Yes! J'ai fini. Un boulot pour moi? Ce jeu est d'une cruauté inouïe. Je suis des champignons. Unité perdue. N'hésite pas à faire des ponts. En fait, ne t'occupe pas, fais uniquement des ponts aériens pour commencer. C'est que des ponts aériens. Toute ta thune part dans les ponts aériens, je te défends à fond, le sache. Ouais, ouais, vas-y. Il me reste 50 dollars. J'ai tellement... Ah non, mais c'est pas possible. Pourquoi on peut pas donner de thunes entre potes? Les gars, défendez les amis, là. Attends, mais j'ai plus de... Attends. Ah, c'est parce que j'ai plus d'hélicoptère. C'est pour ça que la thune rentre pas. Alors pour un... Oh là, ouche. Alors, où? Il faut que je me trouve 1200... Ah bah non les gars, aériens. Vite. Là-bas. J'ai des points aériens. Attends, je vais avoir le fric de racheter un hélicoptère de ravitaillement de thunes. Voilà, je peux en racheter un. Mais attaquez-le. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, les cons. Eh, ma colina. Sont bêtes comme leurs pieds, quoi. Attends, ce qui va se passer. J'ai même pas trouvé de... Pourquoi j'ai autant d'hélicos? Mais ils viennent d'où, ces hélicos? Je suis reproduit entre eux. Alors, attends, pourquoi je peux en faire? En factory. Je ne peux pas rigoler, mais j'essaie de pas vouloir rigoler avec vous, mais c'est assez dur. Bah, oui. C'est... Ah oui, les scuds. Oh, vilain scud. Observons. Waouh. Pourquoi t'as envoyé au casse-pique des chinois? Mais parce que c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Ah d'accord, ok. Bon, c'est bon, voilà, c'est une technique. Unité perdue. Ah!
Ça me pollue mon espace aérien et ça sert à rien. On m'a envoyé une énorme bombe neutralisante d'électricité. Là, j'ai... Oh là là, les aéronefs sont caca. Je casse ta super arme. Oh oh. Un petit gros souci. T'as un gros souci? Je vois pas. Ok, c'est là maintenant que je peux t'aider. Non, pas ça! Oh non! Je prends du galon alors que je suis en train de mourir. Ouais. Oui, t'es en train de mourir. T'as de la thune ou pas? 1900$. Alors fais vraiment, concentre-toi uniquement sur les points aériens. Et tu m'appelles au secours dès que ça va pas. D'accord. J'arrive du mal. Comment dire? Vite, attaquez-les! J'envoie des hommes contre des chars, c'est horrible. Trouvez-moi un véhicule. Puissance faible. Ah, tu m'étonnes que la puissance est faible. Ok, je vais faire tout de suite des casernes chez toi. T'as gardé ton centre de commandement ou il est mort? On sait qu'on te l'a toujours. Oui, mais ça va. Non, il désactive le truc. Oh putain, le truc dont j'ai besoin, il le désactive. C'est un massacre, général. Je vais la miner. Merde, j'ai plus de bulldozer. C'est quoi ce bâtiment? Je sais toi, même plus ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais n'importe quoi. Oh là là là, je vais faire de l'armée chez toi directement. Oui, t'es le bienvenu. Il reste plus grand chose. Une cour bétonnée, un bâtiment, une parabole avec un drapeau, et voilà. En gros, c'est ce qu'il me reste. Et t'as combien de thunes? 5000. C'est vrai. C'est vrai. Vite, je demande des hélicoptères, comme tu dis. Bah attends, mais les hélicoptères, pourquoi ils foutent le camp? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Je sais pas. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est la guerre, mon général. Alerte, silo de missiles nucléaires détecté. Oh, génial. Maintenant, il y a... Mais pourquoi ils montent pas nucléaires. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils montent pas? Les doigts dans le... Oh non, mais j'ai changé de groupe de contrôle, mais quelle andouille. Ouch. Bon, il est stoppé, le gars. Chadawa. La 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 la. Les gars, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Attends, mais là je peux pas faire la War Factory. Oh merde, ils ont niqué mon truc. Non mais attaquez là les gars, on est bon là. Non non. Je me fais attaquer de partout. Oui bah oui, moi j'ai eu encore une attaque aérienne, ça fait peur. Ça fait peur. Attends, moi je vais me mettre à l'arrière de la carte mes centrales, histoire de me les faire bousiller en dernier. Alerte, tir de Scud détecté. Oh oh. Coxia ? Des Scud. L'un de nous deux va se manger des Scud. J'ai envoyé une bombe pour les péter, pourquoi ça n'a pas marché ? Oh non, mais ça, j'ai pété, mais non. C'est abusé. Non, mais c'est abusé. Oh, c'est complètement abusé. Non, mais c'est pas vrai. Oh mon dieu. C'est complètement abusé, j'ai fait tout pour... Mais non, mais j'avais mis de buter le Scud. Oh non, j'ai pas vu. Bon, attends, là, cette fois-ci, je te fais plus rien, je peux rien te faire pour toi. Oui, je sais. Oh non, mais j'ai envie de recommencer cette partie, elle était vraiment en grisante. Mais De toute façon, je pense que pour moi, c'est bientôt la fin. Mais t'as vu mes hélicos? Ils sont au-dessus de toi, ils font rien. Ils font rien. Ça n'a pas de sens, mais. Il faut un acte de présence exact et une bombe d'anthrax, allez. Bon, bah, oh là, on peut quitter. C'est violent. On peut quitter. Allez, on peut quitter. Oh putain, je suis Render. Oh non, c'est. J'ai compris, t'es pas content. Oh non, putain, la vache. Capitulé, c'est horrible. Mais j'ai un truc qui collait pas avec les soldats, c'est que je mettais en mode défense de la zone, je faisais rien. Mouche. Oh la vache, t'es musclé. Ouah. Attends, voyez une partie musclée. Hein. Oh la vache! Eh, hey, t'es doué! Ressources récupérées, toi t'es à un quart de million, moi j'étais qu'à 40 000!
Moi j'étais au niveau de l'IA facile. Mais voilà. Ah oui, sauvegarder la rediff. La honte. Il t'a tué sans... Oh, je l'ai tué, moi. Mais c'était quand même difficile, mais c'était quand même intéressant. Alors moi, dans ce genre de cas, quand je perds la partie, j'ai envie de refaire la même partie et d'arriver à les défoncer, même avec les mêmes paramètres. Mais après, tu fais comme tu veux. Non, on va varier un peu. D'accord. On voit des belles cartes, Nayanet, t'inquiète pas. Ouais. Alors, on va les mettre qu'en facile, déjà. Déjà, que ce soit... En facile, c'est trop... C'est un peu trop facile. Peut-être bon, juste voilà. Un en médium, peut-être. Voilà. Ouais. Un seulement en moyen. Oui, si je veux faire un deuxième en moyen, ça va faire comme tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc l'orange. Après. Va piquer. Comme j'ai dit, j'aime le défi. Donc si tu veux, tu peux remettre un moyen encore, mais voilà. Ouais, allez, on va se faire un peu une promenade de santé. Donc le gros vilain, on va dire que c'est la Chine. Voilà, d'accord. Classique. Après, avec les Gatling. J'ai pas eu le temps de faire mes hélicos Shinook, parce que Shinook de combat tout à l'heure. C'était tellement de l'action à faire partout. On va se mettre là. Comment ça, 3 3, 4, 5. Oula, attendez. Nous, on est dans la même équipe. Voilà, je suis en bas à gauche. Ouais, 2. Ouais, on va les lier entre eux. D'accord. Donc l'ennemi. Alors le gros vilain 3, il va être à l'opposé. Hop, et là 4-5. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Attends, faut que je clique sur accepter. Voilà, j'ai accepté, c'est bon. Tu peux lancer. Bon, ça tue plus une problème de santé. Mais c'était quand même assez intéressant parce qu'on démarre avec 50 000 et du coup ça swing. Bon, mais c'est parti, concentration. Attends, je retire mon clavier de mes genoux parce qu'il me pèse. Il pèse lourd sur les genoux. Ouais. C'est ton bâtiment. Alors, moi je vais me mettre là-bas. Sortez l'échafaudage. Je vais me faire un deuxième. Allez, au boulot. Je creuse les fondations. C'est un bon coin. Un petit chantier de construction. Ah, c'est plus calme. Ouais. C'est que le début là, mais on a... J'ai fini. Et alors du coup, tu t'es intéressé à Arma là, dans ce qu'on discutait du jeu vidéo? Non, j'ai pas encore jeté un œil dessus. Oh, ça... Bonjour Christella. Oui, bonjour Christella. Oui, à l'attaque, c'est ça? Bah oui, tu m'étonnes. À l'attaque. On vient de prendre une défaite là, Christella. Oui, une belle déculottée. J'ai surrender. Une belle déculottée, 3 missiles de super arme dans la tronche et terminé quoi. Du boulot m'a diminué ça. C'est exactement ça quoi. Pourtant on a démarré avec 50 000 crédits mais ça n'a pas suffi. Ouais, on a fini à 50 000 morts. Mais... Oh mon dieu. Il y a d'autres trucs à faire. Il y a d'autres trucs à faire. C'est impossible. La la la. Du boulot m'a dénué ça. J'ai fini. La. On construit. Voilà, alors, j'ai pris trois dépôts de ravitaillement. Moi, il me faut ma première piste d'aviation. Merde, je sais même plus quel camp j'ai choisi, américain, spécialité, je sais même plus ce que je suis. Attends, c'est quoi mes options spéciales? Non, je suis aérien comme tout à l'heure, c'est bien, ma spécialité c'est l'avion. Ah bah non! Non, c'était les armes moi normalement. Ah oui, merde! Bon, c'est pas grave. Tu veux recommencer? Non, okay. On va faire avec ce qu'on a. Bon, on va pas recommencer 10 000 fois. De toute façon, c'est le jeu hein. À part un tir de canon laser, j'ai pas vraiment eu le temps d'apprécier mes spécialités, donc... Si je peux en apprécier une ce matin en ta compagnie, je serais content. Oui, on va gagner, ça va le faire.
Monsieur Nayone, il a pas perdu de temps. Il assure déjà ma défense. C'est beau. Merci, monsieur. C'est beau, c'est beau. Chasseur objectif. C'est rigolo. Non, j'ai vu sectionner mon bulldozer. Le bulldozer. Dépôt de ravitaillement. On veut du fric. Tunas. Je creuse les fondations. On veut de la tunas. M'en occupe. Ça va plutôt bien. Ah, t'es pas en top forme, Christella. Ah, t'es peut-être un peu barbouillé par l'hiver. Bah, j'espère surtout que tes filles vont bien, la cannelle et noisette. J'ai eu l'ambition de contrôler ton bulldozer rouge. Comme je voyais sur mon terrain, j'ai à moi, réquisition. Un nouveau chantier. La. Je vais remettre une défense, gros canon. Dès que tu peux, n'hésite pas à faire plein de ponts de ravitaillement. Des ponts de ravitaillement, tu as raison, Nayunus. Je peux pas parce que j'ai pas commandement tactique. Oh oh, vite. Un commandement tactique. Tactique de la mortée. Bon la. Mais... Ah, qui est con. J'ai avorté la construction de mon aérodrome. Je suis un abruti. Fini. Comment ça, non? Alors, finis-moi mon aérodrome, Truduc. Excusez-moi, ça parle mal. Oh oh, j'ai déjà de la visite. Vite. Chasseur furtif, escadron, défense aérienne, secteur 0. Voilà, t'as un appui aérien pour ma base. Merci, Nayonus. Alors, ce que t'as fait comme arme là, c'est furtif. Oui. Et ça attaque. Leur capacité, c'est d'attaquer les sites de défense en les détruisant très rapidement. Oui. Et ça élimine les trucs. Parce que sinon, dans le combat aérien, ils sont terrestres, ils sont pas terribles. Ouais, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est juste pour donner un renseignement. Merci, monsieur, des renseignements. Alors, comme ça, on bosse à la CIA. Qu'est-ce qu'il faut faire? On bosse pour les Américains, là. Ouais. Non, putain, je me fais défoncer. Ils vont t'attaquer. Pourquoi ils sont furtifs et pourquoi il les a vus? Je comprends pas. Je vois des choses. Ça pète. C'est bon. Oui, ça va, bonne forme aujourd'hui. Hein. T'auras deviné, Christella, je pense qu'il va y avoir un beau festival de vannes aujourd'hui. Je vais débiter des grosses âneries. Tout va bien. Madame Malkise. Let's build. Flash and burn. You got it around. J'ai fait des défenses, ça a permis de te sauver la vie. En fait, c'est bien ça. Merci, monsieur. Vous êtes mon assurance vie. Ne pas hésiter à faire bientôt des super armes. Moi, je fais surtout des super ponts aériens pour avoir de la tunas. Ça s'appelle la mission Nowhere avant l'heure. Beaucoup de thunes avant le 24 décembre. Ouais. On va faire un peu de voltige. Un peu de voltige. Couloir aérien. En patrouille. Ouais. C'est aujourd'hui que tu commences le premier Zantiville. Alors, si ma technique me lâche pas, oui. Je vais essayer en début d'après-midi de brancher à nouveau ma PS3 et de vous diffuser le dit Resident Evil. Oui, je sais, Christella, tu l'attends avec impatience. Normalement, ça va être ça. Et après, ce sera Lego. Aux environs de 18h, je ferai du Lego tableau mystère. Puis peut-être que si je suis encore en forme, je pousserai peut-être jusqu'à 22h. Mais après, j'irai voir Nash sur son Zelda, sur qui. Il faut pas que je me décale non plus, parce que demain je suis censé bosser. Et j'ai encore beaucoup de choses qui m'attendent. Ça fait peur. Oh. M'en occupe. Allez, pont aérien. Un boulot pour moi. C'est un bon point. Ouche. Chez la guerre, terre mon nucléaire.
Ouais, non, c'est bien. La rune des hélicoptes, j'en ai quoi? J'en ai deux. Ouais, ouais. Ah ouais, les avions doivent recharger à la base. Ouais, ouais, ils font leur boulot de ligne de défense. Hein. Waouh! On voit mes chasseurs furtifs qui redécollent. C'est beau. Ils sont moins violents que tout à l'heure. Oui, mais et on a accès bien à plus de base. Ouais, le travail. C'est bien. Défendre le secteur J, wow. Oh, mon cher chariot de chantier, tu vas là, merci. Le chariot de chantier, si le cassé, toi, est dépité. La 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 la. J'ose faire ma super arme, non, j'ai pas assez de centrale nucléaire. Si je la lance, là, ça va... C'est parti. Faut que je construise plus de centrales. Là, il y a des avantages de faire attaquer en masse, c'est qu'on peut se faire déborder, mais le fait de se faire attaquer et de défendre, bah, ça permet de gagner rapidement les étoiles de général, de débloquer des putains de... excusez-moi du gros mot, de capacités qui peuvent vraiment te changer le cours de la bataille. Tu m'étonnes. Non, une petite super arme à distance. De la tunache qui tombe du ciel. Merci d'ONU. C'est horrible, mais c'est ça. J'ai déclenché, moi, le plan stratégique défense. Ah oui, j'ai 10% de blindage en plus. Comment ça, unité perdue? Ils m'ont abattu les chasseurs, les Nalos. Je réinvestis dans un nouveau chasseur. Non, j'en ai perdu un autre. Non, j'ai perdu quelque chose, mais j'ai pas compris quoi. Ah non, les super avions. Les super bombardiers Aurora. Non, les autres, les Mirage, classiques, pardon. Mais c'est des super avions pour moi, ils sont beaux. Ok. Ah non, mais va te faire réparer, malheureux. Vol de croisière. Non, mais vol de réparation, ouais. Toi, tu fais de la fumée, voir un noir en vol, rentre à la base, suicidaire. Bah. On va faire un peu de voltige. Il est fou, lui. Allez, je fais encore une centrale nucléaire. Mon deuxième bulldo, il fait quoi? Il est en vacances? Ah oui, il est en vacances, pas bien. Ouais, rien. Ou une défense. Ah non, j'ai envie de remettre une défense. Ça marche, ma défense. Il faut que je continue. Ouais, ouais. J'ai une ligne de défense pour truc. Ouais, ouais. Ils disent, ouais, ouais. Mais la grosse ligne de défense, là, ils en bavent. Donc c'est bon signe. Allez, encore une centrale. C'est un bon point. Je fais tellement de centrales qu'à la fin de la guerre, je revends les centrales. Je deviens le fournisseur d'énergie numéro 1 dans le pays. En fait, le chariot de chantier, tu recules un peu par là. Voilà, c'est bien. Non, il est perdu des navions. Rendez-moi mes navions. Ici Raptor. Rendez-moi mes navions. C'est notre territoire. Rendez-moi mes navions. C'est ça. Furtif, prêt à décoller. Prêt à décoller. Oui, mon autre navion. Encore navion. Ah, tu vois, tu vas contrôler le secteur là. Voilà. Comme ça, j'élargis un peu mon rayon de défense. Alors, on va refaire un pont aérien. Sortez l'échafaudage. Non, ça, c'est ton bulldo à toi. Je l'ai encore te le chipper. Si tu veux que je le donne, faut que j'abandonne. Non, mais non, mais non, mais non. Tu pourras le récupérer. Au bout d'un moment, si tu dis encore. Attention, si tu dis une troisième fois, je veux chipper ton avion, ton bulldozer, je te le laisse. Hein. Mais je te laisse tout le reste de ce que je possède. Ah non, t'inquiète pas. On va y arriver, on tient le front. Oh là là. Toutes ces unités, ça donne le tournis. La 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 la. J'ai terminé. Qui est Coca? J'ai dit j'ai terminé, mais je sais pas qui c'est. Ah oui, c'est lui. Oh non! Il y a un autre front qui se dessine, vite. Oh oh. Ben, au nord, il y a des zigotos. Ouais, bah les zigotos, ils sont fous neutralisés. Comment qu'ils se sont fait casser la gueule? La gueule. Bien. Je suis content, ma base j'ai bien défendu. Un petit chantier de construction. Allez yo, encore de la tunasse. Je m'en occupe. Ah, je réfléchis à faire le premier canon à ion.
Aïe aïe aïe. Construit. Le canon aïe aïe. Je l'ai mis où? Je vais le mettre là. Sortez l'échafaudage. Le canon aïe aïe. J'en connais qui vont se faire récurer le bip. Oh là là. Non, il n'y a plus de réserve de fouic. Le fouic, c'est chic. Fouic, ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fouic, ah. On n'a plus de réserve par ici. Non, c'est avec émotion que je suis parti à la découverte du dernier album de Scatman, moi, cette semaine. J'avais une envie, voilà. De changer un petit peu de la musique libre et de revenir dans la commerciale. Et je me dis, tiens, je vais écouter l'album de Scatman que je connais pas. Et émouvant, et bien. Il était vraiment doué, ce mec. Il avait une élocution parfaite à haut débit. C'est fou. Ouais. Ok, je suis en train d'envoyer des Shinooks, si tu veux regarder ce qui se passe sur la map. Un boulot pour moi. Pour voir, découvrir comment ils sont. Attends, je me fais une piste Afrique. Les Chinooks, j'ai les besoin Chinooks. De défense ici. Au nord de ta base. Au nord de ta base. Besoin de défense. Oh mon dieu. Ah oui, les Chinooks. Oh oh. Ah, tu veux un appui aérien? Oui, un appui, ce que tu veux. Envoie de neutralisateur. Appui aérien. Demande escadron. Ah merde, comme c'est les nouveaux, ils ont plus de code. Oh non, attendez, oulala. C'est pourquoi? Attendez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le napa canon. Oh, il envoie des napa canons chez moi. J'arrive. On va demander des hélicoptères. Hélicoptère. Construction d'hélicoptère. Bon, je défends un petit peu ma base quand même, mais j'ai été envoyé des belles unités de... Oh, il m'a cassé des centrales. Oh, le salopard. Oh non. Ah, c'est là que ça se passe, j'ai pas compris, pardon. Attendez, j'envoie là. Je t'envoie un appui aérien. Ah, moi j'ai mis hélico de défense. Hélico de défense. Ça va, il commence à attaquer. Tu commences avec des hélicos de défense et tu finis avec des hélicos de défense. C'est ça qui est bon. C'est ça l'art de la guerre. Là, voilà, c'est bien. Mais... Pourquoi mon bulldozer il a arrêté de bosser? Ne me dis pas que j'ai envoyé sur le fond comme un idiot. C'est parti. What the fuck? Pourquoi j'ai bu qu'un seul bulldo plus deux? Moi avoir fait une bêtise quelque part dans ma gestion de guerre. Oh non, il y a un nouveau front qui se dessine. Attaquez. Silo de missiles nucléaires détectés. Oh oh. On va se prendre une missile nucléaire dans la bio. Dans 5 minutes. Ça. Non, c'est bon, je vais m'en occuper, j'ai neutralisé. Oh, GG. Bon, moi je me fais un bulldozer pour rien que des réparations là, parce que je commence à morfler. Alors, les navions. Là j'ai tous mes navions, et là j'ai tous mes navions. Bon, bah c'est plutôt bon signe. Alors, hélicoptère, tu défends là-bas. Hélicoptère, tu défends là-bas. Hélicoptère, Un nouveau chantier made in USA. Du boulot made in USA. Alors lui, il va réparer des structures. Ah, il me pète mes centrales les unes par les autres, ça ne te plaît pas. Ah, tu veux... Attends, je sais pas si je peux te fournir plus de... Près de mes centrales au centre. Merde, tes DCA fonctionnent plus. Ouche. Heureusement que j'ai mon appui aérien. Comment je peux t'aider? Des unités au sol, ça te plairait ou pas? Fais ce que tu veux. Le but, c'est de vraiment envahir la map avec les unités. Je suis paré. Donc je fais... Non, je voulais pas faire ça. Oh, le con. Merde, j'ai pris le mauvais truc. Ici commence. On bouge sur l'objectif. Hélico au rapport. Attends, je sais même plus si... Je crois que j'ai même pas d'usine à chat. Ok, je laisse te défendre, ça permet de... Vive. Non, ça a déconnecté. Ah non. Oh, tu m'as fait peur. Il est fou. Oh, j'ai eu peur moi aussi. Quand il y a une saccade dans le jeu là, c'est... ça paye pas quoi. Ouais. J'ai un gars de mon côté, attends, je me défends.
Il y a une centrale électrique chez toi. Pourquoi ça sélectionne pas les bonnes unités à chaque fois? Ça va sélectionner celles qui sont à perpète. Je sais pas pourquoi le jeu réfléchit comme ça, mais bon. T'as besoin d'ambulance pour soigner tes soldats ou pas? Non, j'en ai pas. D'accord. J'ai envoyé des petits MV. MV de guerre. Bon, j'ai demandé le missile nucléaire là, pourquoi ils ne vont pas le détruire? Je comprends pas, j'ai demandé une destruction du missile nucléaire. Je peux faire feu. J'envoie les particules où, commandant Nayonet? Sur le. Attends, je te dirai ça. C'est bon, tu envoies où ça te fait plaisir. Ah bon, d'accord. Perdu. Bon ben voilà, fais-nous ça fait plaisir. Canon à particules activé. Regarde au dehors de ta base, ça craint. Ah merde. Félicitations, général. Vous avez attends, non, de ma base. Ah oui, il y a beaucoup de rouge. Oh oh. Ah non, ils ont des missiles rouge, de portée. Alors, vite, détruisez-moi ces unités de missiles longue portée, c'est très dangereux. C'est des lanceurs de flammes. Ah, c'est des lanceurs de d'horribles choses. Alors, est-ce que j'ai toutes mes unités? Oui. Mais je ne veux pas sélectionner. Pourquoi j'irais sélectionner un truc qui est à perpète, qui est en mode ligne de défense? Ce jeu n'a aucun sens. Pour la logique de sélection des unités automatiques. Ah, j'ai plus de jus. Oh oh. Oh oh. Je suis allé au point de rupture de l'énergie, moi. Vite, une centrale. Mais c'est un bon point. Oh la vache, dur. Les gars, ils sont 15 000 hélicos, il y a un ennemi qui tire et il bouge pas quoi. Puis c'est en fait l'ennemi grand héros comme dans un jeu vidéo, il va buter les 15 hélicos lui tout seul. Attention les ta base les. Oui, j'ai peur de me laisser déborder. Je regarde, je réfléchis en même temps. Lentement, mais je réfléchis quand même. Alerte. Silo de missiles nucléaires détecté. Alarme ! Silo nucléaire ! On va se prendre une énorme ogive dans la gueule dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? Ah. Là, je peux pas mettre un truc aérien, si... Enfin, tu vois que le bulldozer va pas pouvoir atteindre la zone, mais c'est pas grave. Pourquoi il est haut en vol ? Ah oui, non, il refait le plein, pardon. Il avait plus d'armement. J'ai rien dit. Je sais plus jouer, je suis un niveau. Je vais essayer de faire un Gugus qui va revendiquer un Derrick. J'ai vu un Derrick non revendiqué pas loin de chez moi. Oh ! Ah ! Alarme ! Ouah ! C'est quoi ce truc ? Au secours, je vois des énormes missiles arriver vers moi. Vite, deux hélicoptères, détruisez-moi tout ça. Je suis pas. Ah ! Ah ! Oh ! Oh oh ! Vite ! Ouch, ouïouïouï. Ah bah y'en a un qui est mort, et le deuxième. Vite, faut détruire le deuxième, les gars. Vite et rapide. Oui, vite. En piqué. Ah oui, en piqué, vas-y. Tchou tchou. Chiki boum. Ah oh, il est encore opérationnel. Gravement endommagé, mais il est encore opérationnel. Faut qu'une unité l'achève, vite, hélicoptère. Mission, urgence absolue, vite. Zigouillez-le. Ah, bien joué. Toi, t'auras une médaille. Bonne visibilité. Toi, ta médaille de guerre pour acte héroïque. C'est quoi ça? Ah, c'est des véhicules à naïonner. Oh mon dieu. Des véhicules anti-avions et anti-missiles. D'accord, d'accord. Donc, quand il y a des missiles qui tirent, ça les tue. Ça les détruit. Attends, moi je défends tes bases. C'est parti! Alors, est-ce que j'ai toutes mes unités aériennes? Je crois que c'est bon. C'est le Baudel. J'irai pas non à d'autres hélicos supplémentaires. Merci d'avoir défendu la zone, c'est sympathique. Merci. Bah j'essaye de mon mieux, je t'en prie. C'est vrai que c'est. Canon à particules prêt. Mon canon à particules, il est prêt, chef. On envoie dans la gueule de qui?
Ah, attends, je vais te dire où envoyer un missile. Bah où tu veux, tu fais. Je peux faire le grand signe Zoro. Dans la campus. Ouais, si tu veux. Oh, ils ont des. Oh là là, alors eux, je les détruis. Canon direct. À particules activé. Ah. Oh, il a un centrafrique là, le chinois. Ah, il bouge pas le rayon. T'as pas dessiné de Z. Bah oui, parce qu'en fait, ça marche pas. Je peux faire qu'un point fixe, j'arrive pas à le reprendre. Si, il faut prendre. En fait, tu resélectionnes le bâtiment en question. Tu fais soit clic gauche, soit clic. Prendre la configuration ouais, que t'as c'est choisi. C'est trop compliqué. Dommage, j'ai perdu mon rayon désintégrateur. Sniff. Il faut que par défaut que je démarre sur un bâtiment ennemi, pas dans le vide. Sinon c'est idiot. Ah alors attends, je peux te défendre, je vais te défendre, je sais pas où. Là ton Derrick, je te le défends. Allez-y. Ah, c'est moi ou tu l'as pas revendiqué le Derrick? J'ai pas revendiqué. Oh, incroyable. J'en ai pas besoin, j'ai trop de points aériens. Oh bon, bah ça va, si c'est la richesse. Eh, hey, bande de soldats, là, Zou, vous allez me revendiquer, hein, Derrick. Moi, j'ai veux du... Félicitations, général, vous avez été promu. Alors, être promu, général, ça sert à rien si j'ai pas d'électricité. Au secours! Il y a une panne dans ma base, c'est pas normal. Vite, optimisation de... Burp. Burp. J'active le plan, quand il y en a plus, il y en a encore. J'optimise au niveau 2 toutes mes centrales. Et là, t'as une gigantesque explosion. Surcharge de réacteur nucléaire. Unité perdue. Comment ça n'a pas marché en attaque. Ok. Il m'a dit que j'ai perdu unité. Je dis non. Je refuse. Sortez l'échafaudage. Amélioration terminée. Amélioration terminée. C'est quoi amélioration terminée. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Il est redoutable cet avion. Ouais, je sélectionne le super bombardier. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Madame, taisez-vous. Vous bégayez là. Vous radotez à force de me dire amélioration terminée en boucle. Fini, oui. Unité perdue. Ah, elle a changé. Au nord, il y a des troupes qui t'en. qui te turlupent. Ils m'ont turlupé. Oui, je vois. Turluping interdit. J'ai un droit de réponse. Attends, je vais rajouter quelques hélicoptères en défense. Et moi, mes avions, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent pas. Bah, c'est un concept, hein, bravo. J'aime leur acte de présence. C'est réconfortant. Réconfortant quand tu rends compte que c'est guignol, ils font. Ah, ah, on m'a niqué mon point aérien, ma tunasse. Bandanalo. Je les ai vus, j'ai une salve de missiles venue du ciel. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire toujours plus de points aériens. Et les gars, pourquoi vous faites demi-tour là qui vous canarde? Mais n'importe quoi. Allez, quelle bande de guignols. La bonne guignola. Ouais, il y a un peu de monde chez moi. C'est le centre-ville de New York à l'heure de pointe. Allez, au boulot. Ah, oh, c'est rigolo. Alerte, silo de missiles nucléaires détecté. M'en fous, j'ai envoyé mon unité. Alors, je comprends pas, j'envoie là-bas, ils font demi-tour. Bon. M'en fous, ils vont se faire abattre, mais au moins je vais les faire suer. Ah, c'est surtout leur centre de technologie chinoise aussi, où ils se mettent du fric que j'aurais buté. Mais ça va être l'objectif en second. Oh, je leur envoie mon super avion. Ils vont faire la gueule. Ça va les occuper un moment. Hélico au rapport. Dis-moi que j'ai bien tout mon avion. Unité perdue. Comment ça, unité perdue? C'est un scandale. Des saccades, je sais pas pourquoi. je crois que j'ai trop d'unités. Si je regarde mon écran, j'ai 100 unités à l'écran là. Ouais. Il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'ai. Oui, alors on va essayer de dégarnir un peu tout ça. Je sais plus qui est qui. On bouge sur l'objectif. Je sais plus qui est qui, il y a trop de monde.
C'est rigolo. Ah, alors mon Derrick, je peux le... Ah, oh bah non, les soldats ont été abattus. Quelle horreur. Oh non. Il faut que je recrute les soldats. Allez les GI. Elle est où ma caserne? Même dans mes bâtiments, je sais plus qui est quoi. Oui, voilà, c'est des soldats. La 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 la. Le canon à particules prêt. Le canon à particules, il est prêt. Youpi. Je vais rejouer avec. Mais il est où le Derrick? Je sais plus, je suis perdu. Elle est grande cette carte. Ah oui, il était là le Derrick secret. Je mets en position. Je démarre. Allez, zou. Canon à particules. J'ai endommagé leur bâtiment principal. Allez, pan. Ils vont se manger ça dans leurs dents. Ah oui, c'est le clic droit pour rediriger. Tiens. Oh oui, il va cramer. Oui, le bulldozer qui crame, génial. Comme ça, ils peuvent plus réparer le bâtiment. Ah merde, il y en a un autre à côté. Mais c'était bien essayé. Oh, la claque que j'ai mis dans la tronche de l'ennemi, ça fait plaisir. Une claque. Oui, le prochain c'est un point de l'aigu, il va perdre 10 dents. La 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 la. Non, mais non, mais non. Du danger des interfaces de jeux vidéo. Ça, ils auraient dû le mettre à part parce que j'ai fait cliquer sur quitter la partie alors que je voulais cliquer sur dans la panique sur avion de chasse. C'est vrai que les options générales, ils auraient dû le mettre ailleurs, du côté du radar par exemple, ou isoler vraiment dans un angle. Ça c'est, ouais, c'est des trucs pour faire attention dans la conception d'un jeu. Enfin bon, bref. Ah oui, tiens, j'ai encore quelques unités où je peux te défendre. Bon là je charge les hélicos, hein. Je m'occupe de faire du grand débarquement là, de Normandie. Voilà. Faut que je te mette des... Ouf. Mais rien du tout. Ouf. Ça va être rigolo. Et après il s'étonne que le jeu rame. Ah mon dieu. Comment ça? Ah oui, le truc il est violent. Non. Non. Alarme. Les fiers soldats morts au combat m'ont montré qu'il y avait une attaque horrible qui se préparait. Non, je ne veux pas d'unité perdue, faites-moi des hélicos. Heureusement que j'ai demandé un personnage à la fois, mais bon, c'est pas grave. Attendez, vite. Il va se passer un truc là. Vite, alarme. Riposté. J'ai la gueule. Oh mon dieu, ça pète de partout. Même au 14 juillet au bouquet final, j'ai pas ça. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. De charger les hélicos là, c'est horrible. J'ai la guerre, démon nucléaire. Oh oh, missile nucléaire. Dans une minute. Ah oui, je m'en occupe tout de suite. Ah oui, là, attention, c'est dangereux là. Vite, moi j'envoie mon avion. Non, je l'envoie moi. Vas-y, j'ai envoyé le mien. Envoie tout, faut tout envoyer de toute façon. Vite. Oh, c'est beau. C'est bon, on les a corrigés. C'est beau. Regardez-moi cette scène surréaliste. Ah. On a gagné. Enfin, on s'est défendu plutôt. Donc, même pas les processeurs récents, mais c'est la 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 le jeu. La. Un boulot pour moi. Un boulot made in USA. Ike. Eh ben, c'est bien ça. Eh, hey, j'ai des dégâts là. Faut que je reconstruise ma base. J'avais pas vu. Bon, je vais le revendiquer, ce Derrick de mes deux, ou... Destination confirmée. Oh oh, j'ai de la visite. Il faut leur préparer un accueil chaleureux. Oui, alors là, oui, attends, je réquisitionne 4 hélicoptères et je... Alors ! Alors ! Oh la vache ! Tu réagis vite, c'est magnifique.
J'ai rien fait, j'ai sur l'autonomie, là je suis mes unités sont en autonomie, du coup je fais rien. Oui bah là ils réagissent bien tes hommes. Ah, mon canon est parti cool. Il est prêt, mon canon est parti cool. Navigation en cours. On bouge sur l'objectif. Alors je mets où les parti cool? Espion. Comment dire? Boyoul! Canon à particules activé. Il y aurait bien des zoomés plus, mais c'est pas possible. Oh! J'ai endommagé leur centre internet à pognon. J'ai détruit un bulldozer et j'ai avorté leur procédure de reconstruction de leur super arme. Si ça, c'est pas la classe. Ouais, bravo. C'était un coup de maître. Bravo, bien joué. Du bateau passe bientôt passer l'offensive. On va où? Dans moins de 5 minutes. Ouais. Faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler. Bonne visibilité. Alors, dans alerte, ce caillon. Silo de missiles nucléaires détecté. Où est mon bulldozer à moi? Je ne le vois plus. Mon bulldozer à moi. C'est ça. Bon, allez, je m'en crée un, tellement qu'il y en a. C'est... Ouais. Alors, allez, j'envoie les forces de frappe. J'envoie des forces de frappe d'une violence. Laisse tomber. Oui. Regarde les petits hélicos. Ça, c'est ma tactique. Carrément le rouleau compresseur. Je me mets en position. J'y vais. Hélico au rapport. La 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 la. Oh oh. Un petit solitaire. Ici commence. Petit solitaire. Ça, c'est un chat solitaire. Ouais, ouais. À vos ordres. Ouais, mais c'est un char potentiellement dangereux. Voilà, il est mort. Bien joué. Je suis paré. Je peux retourner à la base. Soutien aérien en route. Ici comment? Voilà, génie, j'en ai tué un. On bouge sur l'objectif. Ah oui, je vois ça. C'est génie. Je nettoie le sud. Et je t'attendrai pour attaquer le chinois. Le chinois. Bon bah moi j'ai envoyé mon avion sur son missile nucléaire, au moins je vais le bousiller de moitié. Si tu veux l'achever par derrière. Verrouillage de la nouvelle cible. Déjà je finis de violer. Mais non mais il est con lui. Mais non mais c'est là qu'il faut tirer, merde. Ah oui non mais des fois l'IA... Il est con l'IA des fois. Il a fait de la figuration cet abruti. Il a tiré sur les côtés, pas sur le bâtiment, mais non. C'était l'attaque la plus débile que j'ai jamais faite dans ce jeu. J'ai fini. Ouais. Oh mon dieu. Je sais plus jouer, au secours. Oh, dommage. Je pensais c'est pouvoir bon superposer, là, mais non. L'optimisation de l'espace. Alors, est-ce que j'ai tous mes avions? Je clique toujours avec frénésie sur les mêmes boutons. Ah! 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 J'ai une attaque à longue distance. Au secours, j'ai des dégâts. Vite, faut tout réparer. Oui, ça va. Mon bulldozer est dans la zone, donc il va pouvoir tout réparer. Ouf. Voilà, j'ai supprimé le facile. Tout facile, ah, on a plus que deux ennemis. Il est fort, Lyonnais. Maintenant, j'ai plus qu'à leur rouler dessus. Tu veux, Iridi, tu veux des croquettes? L'adorable Réglisse. Allez, les gars, venez, 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 les gars, attaquez-moi ces tours. On va lui faire un bisou à Réglisse. Sacré Réglisse. On l'adore. Bon, quand t'es prêt, je suis prêt. Moi, je répare mon petit bâtiment. En fait, ils sont offensants. Ils sont offensifs, pas offensants, mais offensifs. Oh là là, je vois des choses. Waouh, wow, il est déchaîné. Je suis déchaîné là. Attends, bon allez, j'attaque quand même. À la fête, genre mes canons particules. J'ai vérifié les canons Gatling. J'ai pété les centrales d'abord. Canon à particules prêt. Ouais.
canon à particules activé. Je vais péter leur super arme. Si du tout puis, ça retient. Ça retient bien. Ça retient bien. Voilà. Boum. Vas-y, je reste là pour les maintenir en respect, t'as plus qu'à aller. Ah bah tu peux les achever, vas-y, moi j'ai envoyé mon truc, hein. Le truc est en feu. Okay. Tu peux les achever, on a gagné, c'est beau. Regardez-moi ça. La 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 la. Wouah, c'est énorme. Centre internet, c'est parti. Ouais. Et on a gagné dans un bâtiment, détruit, ouais. On a gagné. Voilà. On a gagné. Voilà. GG. Vous êtes victorieux. J'ai oublié de taper wellplay, ah zut. Ah, tant pis. C'est pas grave, c'est très bien. Bravo le sage. Mm-hmm. Oh la vache là, les thunes. Ah, t'as fait pareil que moi avec la précédente partie, près d'un quart de million. Et là j'ai fait presque un million. Mm-hmm. 800 000. Ok. Ah non mais t'es trop fort. Oh merci pour les GG. Non là c'est vrai, ouais, qu'on a joué facile, mais... On va s'en refaire une tout aussi rigolote. Oui, ouais, on est là pour se détendre, monsieur. Je fais juste une petite pause. Oui, fais ta petite pause. Moi, ça me laisse le temps de programmer un truc merveilleux. La vallée de la moelleté. Waouh, pas chiche. Ah, il y a des noms officiels. Tiens donc. Ah, tiens, tiens. Nous avons des noms officiels. What the fuck? C'est quoi ce truc? Oula. Ouh là là. Ouais, on va essayer une non officielle. Alors attends, j'accepte ça. Je vais changer de camp. Je vais jouer les Chinois. Mais Chinois quoi? Chinois atomique, Chinois infanterie ou Chinois blindé? Chinois blindé. Allez, yo, je suis fou. D'ailleurs, nous aussi sera avec moi quand il aura choisi ce qu'il veut. L'ennemi, si on mettait les vilains terroristes. IA facile. Là, ce sera fermé. Non, j'ai dit fermé. Alors, couleur bleu, vert, je sais pas, cyan, rose. Enfin, bref. Non, on va mettre les vilains terroristes. Un toxine, un explosif, un furtif. Oh, je vais quand même mettre un en moyen. Le furtif, il va être vicieux. On va le mettre d'ailleurs en violet, tellement qu'il va être vilain. Ce sera l'équipe 2. Voilà. Alors, nous, on va commencer là, je crois. Oh, je vais mettre de la difficulté, attendez. Si, enfin, quoique Nayone est libre de choisir sa position. Mais l'ennemi... Alors attends, le 5 est plus balèze. Donc je vais faire 3, 4 et le 5 le plus balèze au milieu. C'est vraiment calculé, c'est vicieux, mais... Nayone ne possède pas la carte rank du style Rampage, celui sera transféré au début de la partie. Bonjour Arsenas, comment que ça va? Alors que je fais mon foufou là du dimanche matin, ça fait plaisir. On joue à la guerre. La guerre thermonucléaire. Avec l'adorable Nayonet. Oh, je réfléchis, les 11h. Qu'est-ce que je me prépare en miam tout à l'heure? Ouais, ça va bien, je suis content, j'ai retrouvé mon énergie. Oh, j'étais claqué. Oh là là, hier vous m'avez vu pas frais. Et heureusement, là, j'ai dormi 10 heures cette nuit, mon corps me le réclamait. Je revis. Mais je dois confesser, c'est terrible avec l'âge. Quand tu prends au compteur de l'âge, le corps demande plus de temps pour se régénérer. C'est, on peut pas, voilà, hein. Faut pas se mentir, mais... Je suis en train doucement de basculer vers des nuits de 7 heures, vers des nuits de 8h, 8h30 en moyenne en semaine quand je bosse. Et quand je suis en repos, bah là je glisse sur du 9h, 10h. C'est fou, hein. C'est fou. Mais bon, tant que la santé est là, c'est l'essentiel. La la la, la 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 la.
Si bidi bidi bidou naïonnais, se fait une petite pause. Alors, je rappelle le programme de la journée. Jusqu'à midi, je joue à la guerre avec Naïonnais, là, dans Command & Conquer Generals. Après, si j'ai vite faim, je vais peut-être vous mettre les compiles de clips. Ah non, peut-être pas. Peut-être que j'aurai peut-être pas faim tout de suite. Je vais peut-être vous faire un peu de Spend Lucky. Ça me ferait plaisir de vous faire du Spend Lucky à l'écran pendant une petite heure. Je crois que 13h-14h, ça va être les clips. Je déjeune. Et sorti 14h, je vais essayer d'entrée de jeu de mettre la PlayStation pour faire du Resident Evil 1, mais le nouveau 1. Et j'enchaînerai vers 17h-18h sur les Lego. Voilà, dimanche pénard pépouze entre nous. Bonjour fun fan. Et là, Nayone ne revient pas parce qu'il est décédé dans ses toilettes. Oh mon dieu, ce serait horrible. Voilà. Voilà, et sinon, je t'invite à ne pas prendre une map spéciale parce que ça déconnecte. Ah ouais. Ah merde. Oui. Ouais. Ah solo, merde. Ça va, mais en multi... D'accord. Trop. Ah, Crotum. Ok, merci. Bon, bah, on va faire manteau neigeux. Donc, attends, je recommence mon idée. Là. Et 3, 4, 5. Voilà. Voilà, tu te mets où tu le souhaites, Naïonnais, sur la carte. Je vais mettre là. Je vais prendre autre chose que la... Ah, si, je... Réfléchis. Tu te dis si tu te sens prêt. Moi, je reste la Chine blindée. Là, je veux être la Chine blindée. C'est, ça me fait rigoler. Moi, je choisis un peuple. Les terroristes. De la gela. J'hésite à prendre un truc. Infanterie Chine, tiens. Donc, infanterie. Eh ben, je suis prêt. Allons-y. J'en équipe un. C'est parti. C'est petit mon kiki. Encore un chat. La tête du général chinois, mon dieu. Ils ont choisi des bons acteurs. Hein. Ils ont de la gueule. Pour la photo, franchement. Les chinois, comment qu'on les joue, j'en sais plus. Ah oui, puis par défaut, j'ai pas de radar, donc je sais plus où je suis. Nice location. Oui, le radar est une option chez les Chinois, c'est quand même terrible. Oui, 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 elle reste gelée, l'Arsenos, pardon. Elle reste gelée, ma webcam, elle fait sa vilaine. Je la remettrai cet après-midi quand on fera les Lego. Ou le Resident Evil, pour que vous voyez mon visage horrifié. Amélioration achevée. J'ai voulu lancer ce matin, elle a tenu 2 minutes. Voilà. C'est dire à quel point elle aime se mettre en grève. Non, je reverrai mon USB tout à l'heure à la pause déjeuner. J'en ai marre de me battre pendant des heures avec l'ordi. Je suis pas là pour ça. Excusez-moi. Ça me tue. Ah, il est génial. Command & Conquer Général, il est génial. Déjà, faire avec l'extension Zero Hour, tu fais toutes les campagnes solo, ça te tient en haleine pendant des jours. Hein. Mais vraiment. Il est trop bien. Et la rejouabilité quand tu peux faire une escarmouche. En dehors du multijoueur, rien qu'en escarmouche de ton côté contre l'IA, des scénarios de bataille, ça te tient en haleine vraiment pendant des jours. Il est trop bien ce jeu. Ça sera très bon une fois. Ah non, moi je suis dictateur, je dis dans mon pays, un ordi vendu, il y a quand même une Conquer Générale, une copie offerte obligatoirement dedans. C'est le jeu à avoir, c'est trop bien. Le bâtiment est construit pour la Chine. Bel emplacement. Pardon, je vais m'acheter un deuxième bulldozer parce que là, les constructions ne vont pas assez vite. Je vais me faire déborder assez rapidement là si je reste trop lent. En plus, j'ai pas fait de dépôt de ravitaillement, le mec a tout fou. Construction terminée. Nous bâtissons la Chine. Nous le bâtirons pour la Chine. Tu l'as en français, toi, le jeu, c'est ça? Je crois, oui. Excellente idée, général. Il vient me dire excellente idée, général. Oui, je l'ai en français. Où dois-je livrer? Alors, vous voyez déjà la différence. Les États-Unis font tout par voie aérienne, les Chinois, eux, font par voie terrestre. Et les terroristes font tout à pied. C'est horrible, mais c'est pas loin de la réalité. Chacun fait en fonction de ses moyens.
construit pour la Chine. Excellente idée, général. Wow, 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 wow. Chantier terminé, chef. Partissons. Avion chinois. Dans les normes. Ce sera très beau une fois fini. Nous avons de grands projets. Nous avons de grands projets. La Chine va s'agrandir. Nous devons la Chine. Alors oui, c'est à moi de faire son internet avec la thune. Alors, il faut un centre de propagande avant. D'accord, c'est la condition de construction. Et un centre internet pour protéger les quelques une dizaine de pirates internet. Bah ouais, c'est eux qui génèrent le fric alors. Mais c'est horrible, hein, l'idée, elle est excellente dans le jeu, c'est terriblement réaliste en fait. C'est ça qui est redoutable. That's a good choice. Ouais. Nous avons c'est de ça. Grands projets. Complexe militaro-industriel, je vais me mettre paisiblement excellente là-bas. Idée, général. Nous vivrons dans la prospérité. Va me refaire une... Mais non, mais... Ah, oh, je reclique sur le menu accidentellement. Va me refaire une centrale. Alors, point de ralliement va être là-haut. Ouais, mig renforcé. Alors, 4 mig et après des hélicoptères fou furieux de combat. Partissons. Alors, les centres internet que c'est je me fasse bon de la thune à Sagogo. Donc du coup, lui, le ralliement sera par là-bas, ouais. Lui, ça sera plutôt par là. Ah, lui, il est déjà en repos. Pas de repos, tant de travail chinois, tu bosses tout le temps. Pas de repos pour les croissants. C'est ça. Attends, je vais mettre la sortie des chars d'assaut là-bas. Construction oh la vache, le char des spots. Les bols. Eh, pas mal les petits chars dragons. Ah, poste mobile d'écoute, stratégiquement très important. Je vais en placer un là-bas. Oui, normalement, quand on conquiert, j'ai pas de bêtises, c'est devenu General, c'est devenu un abandonware. Ça dépend des pays, des lois, tout ça. Ah. Il est disponible en vente, il est disponible à la vente en Belgique, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. D'ailleurs, la version de abandonware, je crois que c'est la version de... Exactement la version que la version belge vendue. D'accord, oh, intéressant. Construction dans les normes. C'est bizarre comme le droit international, il y a vraiment des bizarreries, mais bon, bref. La foudre va s'abattre. C'est un bon choix. La Chine a été généreuse. La Chine va s'agrandir. Après ça, il faudrait quand même que je fasse encore des tourelles de défense, moi. Parce que trois petites tourelles de défense, je vais pas aller loin. Bon bah là c'est plutôt calme hein. Ils sont plutôt calmes, c'est mauvais signe. Ils vont balancer 5 missiles nucléaires d'un coup. Préparez le canon Gatling. On aura 30 secondes pour réagir. Au travail, préparez le canon Gatling. Ça en vaut la peine au moins. La foudre va s'abattre. Construction dans les X. Non non non, tu restes là toi. J'ai pas demandé de te déplacer. Non, je t'ai pas demandé de te déplacer. Gatling, prêt. Voilà, ils sont enregistrés une voix de pervers. Canon Gatling, prêt. Canon Gatling, prêt. Oh, purée. Hey, j'essaie de faire une imitation vraiment fidèle de ce que j'entends, moi. Canon Gatling, prêt.
Ah là là. Ah, yop, cousin, bonjour. Bonjour, Riol, c'est bien. Riol. Riol, c'est pas, pardon. Missile nucléaire. Bon, d'ailleurs, bonjour Arsenus, je ne t'avais pas vu dans le chat. Bonjour à toi. Attends, mon deuxième bulldozer est où? Ah oui, il est là. Fais-moi une dernière centrale nucléaire. Ah, j'ai de la compagnie, moi. Préparer le canon Gatling. Ah, c'est bien, ils défendent très bien. Ah oui, ça y est, je peux faire plein de pirates chinois, là. J'ai mon premier centre de propagande. Attends, pourquoi je peux en faire qu'un seul? Ah merde, j'ai pas de thunes. Oui, il fallait que j'en fasse, vite. Merde, j'ai plus de thunes. Prêt. Ouch. Sont galères les chinois à obtenir de la thune. Ouais. Mais ça va venir. Allez, va dans ton centre chinois, toi. Alors, ça me donne faim de parler de chinois. Pourquoi? Parce que je fais référence à la pâtisserie chinoise. Et figurez-vous que dans mes courses de la semaine, j'avais une promotion de le deuxième chinois à 60% moins cher. Donc évidemment, je me suis rué sur la promotion, puisque ça faisait 2-3 ans que j'avais pas sa boîte chinois. Donc j'en ai déjà englouti un cette semaine, et il m'en reste un autre à engloutir pour la semaine prochaine. Ce sont des touristes. Oh, t'es adorable, Arsenus. Merci. Oh. Dayonette, tu sauras que Arsenus vient de t'offrir un abonnement sur mon canal. Tu vas pouvoir merci Arsenus. Merci, je pourrai envoyer des émoticônes. C'est merci ça. Merci beaucoup. De patoun, de moi mort de rire ou je sais plus quoi. Oh, merci Arsenus, c'est adorable. Bel emplacement. Ah oui, c'est vraiment adorable. Oh, vous dites normal, mais en ces temps difficiles, vraiment, ça me fait très plaisir. Surtout vraiment, moi je demande rien, hein. Je veux juste partager la bonne humeur avec vous. Mais merci tout plein. Très bien, oui, c'est gentil comme tout. Ah oui, c'est adorable. Ce que je disais à Nachemman hier, arrêtez, vous me gâtez trop. C'est vrai en plus, j'arrive plus à suivre. C'est vertigineux. Une boulimie de cadeaux. C'est ça. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements en gros vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux de. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Agent idiot. Merci. Il restait planté droit comme un i au milieu des champs. Il est vite remis au travail et a piraté l'internet. Ça, c'est un chat qui veut boire un café. Moi, je déconne, il vaut pas de café réglisse, c'est faux. T'imagines, après, il se met à courir partout ou à sauter. Noyez sous l'argent, si seulement. Dis pas ça, il va te faire encore un sub. Mais non, non, t'as rien du tout, et oh, t'as rien. Il est fou. Je plaisante. Il est fou. Non, mais merci tout plein, c'est adorable. Câble de liaison branché, j'y serai bientôt. Le pilote chinois va dans le bâtiment. Eh ben. Et là, il y a un chinois qui me répond. On a trouvé un gros filon. Il y a une luge américaine qui vend de la bière à base de bip. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est à moi ça? Ah bah oui, c'est mon bâtiment espion roulant mobile. Hey, allons là où c'est trop pose. Bien. Comment ça, missile nucléaire? Attends, c'est moi qui ai un missile nucléaire? Ah oui. J'avais oublié que j'avais déclenché la construction de l'arme. Oh là là, je suis un ego. Vite, il me faut de la thune. Un pilote chinois. Wow, trop bien. Alors, j'ai une ligne de défense, mais elle est radicale. Ok. Attends, je vais remettre un chinook un peu plus loin, là. Oui, ma cam, elle reste frisée, cousin. Je suis désolé. Elle a tenu 2 minutes, le temps que je prenne mon direct, et elle a dit je me mets en grève. Donc désolé, vous m'avez ma trompe chat. Figée. Je la remettrai à midi quand je déjeunerai. Ouais, faut faire avec mon image figée de ce matin, je suis désolé. Enfin, là, il n'y a pas grand intérêt à avoir ma tronche en direct, en fait. L'intérêt, c'est cet après-midi. Le jeu d'horreur Resident Evil, normalement, cet après-midi, plus les Lego qu'on fera ensemble. Enfin, si je puis dire ensemble. Voilà, vous me verrez monter en vrai.
Et bonjour Tunsen. Coucou. Mais là, pour ce matin, franchement, me voir ma tronche en direct, ça vous apporte rien, on va pas se mentir. Ça sera très bon une fois fini. Nous vivrons dans la prospérité. Je vais moquer de toi, attends, résidente. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Resident Evil, le premier, mais nouveau. Le premier nouveau, si je puis dire. Le Resident Evil 1 sorti, je sais plus, il est sorti en 2000. Ah, j'ai fait une trollerie. Regarde en haut au gauche de l'écran. Oh, Resident Evil. Oh, l'autre. Qui les met? Comme mes pieds. On est Jérégli, je peux pas jouer avec toi là tout de suite. Je joue avec le sage. Ah oui, pauvre Iglis. Alors, Iglis, faut qu'il attende encore une grosse demi-heure. Avant de retrouver son fidèle maître. La 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 la. Et chez Croquette. Allez, hop, je te pousse, Régis. Zou, allez. Hop là. En passant par la Lorraine. J'ai posé un peu brutalement sur le sol, c'est pas. En passant par la Lorraine. Il a absolument joué avec le laser. Ah oui. Dingue, parce qu'il sait que c'est. Il aime, il sait pas ce que c'est que le laser, mais il sait que d'où ça vient. Ah. Bah oui. Il a repéré les lieux. En passant par la Lorraine avec les sabots. En passant par la Lorraine avec les chinois, va dans le bâtiment faire de la tuyasse. Ah là, ça y est, ça commence à venir la thune chez moi. Je vais enfin avoir une dynamique de guerre. Alors, ce qui est pratique, ce qu'il faut éviter en multijoueur PVP, comme je l'ai fait tout à l'heure dans notre première partie, si tu rassembles tous tes bâtiments de même type au même endroit, un missile nucléaire, hop, par exemple, t'as plus d'électricité ou plus de thunes. Ah oui. C'est. Ouais. C'est. Ouais. Mais pourtant, je fais la même erreur, moi aussi. Hein. Ouais. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots. En fait, les gars, défendez-vous. Hein. Bon, bah je peux faire usage d'une ogive nucléaire parée au lancement. C'est vrai que je peux faire usage du faux et usage de faux et de faux. Non, c'est quoi, c'est faux usage de faux. C'est parti, je vais faire pousser, j'ai lancé l'offensive. Ah. Alors je sais pas où ils sont, mais je tire. Ouais. Nous avons lancé notre missile nucléaire. Ah merde, en pleine cambrousse, loupé. On va avoir une jolie explosion, voilà. Dans le, voilà, il y a un, ouais. Bon, j'ai un petit peu endommagé un bâtiment, mais un seul. On a vu un joli champignon nucléaire. Comment ça, Arsenos? Comme William Defoe, je sors, dédicace à FunFan. Ah, la thune commence à rentrer, moi, de mon côté. Je vais demander une armada de pirates de l'Internet. Tunasse! Je peux ruiner leurs installations. Ouais. On veut de la tunasse. Félicitations, général. Vous avez été promu. Oui, mais je vais attendre d'avoir 3 étoiles pour avoir une option de guerre intéressante. Bon, je vais attaquer les violets directement. Oh. Merde, il est bleu dans le chemin. Ah zut. Il y a toujours moyen d'entrer. Patrick Chardé. Il n'y a pas de système sûr. Si tu voyais les animations des herbes chez moi, c'est. Il y a toujours moyen c'est rapide. D'entrer. Câble de liaison branché. Ah mais non, réglisse. Oula, l'autre il s'est fait rouler dessus. Par le camion. Ça. Non mais moi, c'est une animation sur Alice. Heureusement que ça comptait pas comme un homicide, mais ça aurait dû. Oh. Que dois-je faire? Tiens. Comment est-ce possible? J'ai été surpris d'un missile et puis m'attendre dans cette zone. Oui, Régis, oui. Oui. Ça en vaut la peine au moins. Bah oui. Les complaintes de Régis.
Ça en vaut la peine. Oula, et oh, oh, faut que je fasse réparer mon hélicoptère là, il a pris cher. Mais va te faire réparer, Hugo, reste pas en vol là, t'es fumant noir. Attends, mais il y a un gars là, pourquoi vous leur tirez pas dessus? Ça n'a aucun sens. J'ai étouffé leur projet dans l'œuf. Je vais juste déterminer leur. Détruire leur centre de. Leur missile Scud. Bah oui. Alors, est-ce que j'ai de la thune pour faire un autre centre internet? Non. Ah, bâtiment déjà construit, je peux en faire qu'un seul. Merde. Ah, oui, les centres internet pour en faire qu'un seul. Les D'accord. Chinois, au niveau de la thune, ils sont un peu pas ouais, trop à l'abri, quoi. Ouais, je les éparpille, j'ai compris. D'accord, bah à la place, je vais faire un aérodrome. Attends, c'est un aérodrome, ça? Non, c'était pas un aérodrome, j'avais planté de bâtiment, là, je comprenais plus. La Chine va s'agrandir. Message de Funfan 1992, après tu peux mettre des pirates par terre. Exactement, c'est ça que je vais faire, ouais. Parce que autant que j'ai une dynamique bien appuyée de tunasse. Il a une bonne réaction là, l'IA. Je fais des pleins d'infanterie, il va faire des chars chimiques pour contrer mon infanterie. Ah, ouais, ouais, malin. Putain, j'ai le buzzer qui chauffe pas là, le but de réparation qu'il faut qu'il fasse. Alors attends, j'ai un hélicoptère de réparer, il va remplacer celui qui va se faire réparer à son tour. Voilà, ce qui est bien endommagé, donc il va aller se faire réparer. Je fais un survol. Voilà. On reste logique. Ah, lui, il est prêt. Ah merde, j'ai pas assez de thunes, c'est vrai. Je clique avec frénésie, mais non. La thune ne suit pas, que signifie ? J'y serai bientôt. Je vais assécher l'intérieur. You have been promoted. Congratulations, sir. J'ai plus qu'un véhicule de protection. Non, j'ai plus que de l'infanterie à pied. Bon, bah, je vais m'occuper du mec qui est au sud. Je te laisse t'occuper du mec qui est au nord. Ouais, parce que je me concentre tellement en fait sur ma dynamique de économique que j'aurais tiré que deux missiles nucléaires en fait en offensive. Le mec qui sait vraiment pas se jouer, c'est horrible. Avec moi, il n'y a presque pas de guerre, en fait. Je suis bon en soutien, mais c'est tout. Soutien, structure, mais alors mener la guerre au front... Expérience nulle chez moi, c'est horrible. Je peux ruiner leurs installations. Il n'y a c'est pas horrible. Tiens, je vais mettre les Chinois là-bas. Nous vivrons dans la prospérité. C'est un bon début. J'ai mon portable. La 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 la. Il n'y a pas de système sûr. C'est rigolo. Batterie chargée, instruction bien reçue. Rigolo. C'est calme. C'est beaucoup plus calme que la première partie. Oui, oui, c'est presque même trop calme là. J'ai quasiment d'abattre le joueur le plus difficile. Ouais, 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 le moyen, ouais, c'est bien. Ah, oh, que je suis mauvais, mon dieu. Câble de liaison branché. Je rejoins la prochaine liaison. Ils ne verront pas qu'il leur manque du fric. Câble de liaison branché. Préparation du transfert de pompe. J'ai mon portable et je vais assécher l'internet. Je vais assécher l'internet. Je me souvenais plus de la réplique. Oh mon dieu. Juste une seconde. C'est horrible. Ah, mon avion. Missile nucléaire paré au lancement. Ah, un petit missile nucléaire. Chez qui, chez où, ils sont où? Attends, le problème, c'est que j'ai pas l'info de où est l'ennemi en fait. C'est ça mon souci. Déplacement. Attends, je vais donner un nom de code à l'unité. L'unité, allez se faire cuire un œuf. Il faut que je vois où ma tête nucléaire peut être utile à la destruction totale. Transfert en cours. Hé, allons là où ça cause. Allons là où ça cause. Mais oh, oh, oh. Reculez les gars, allez pas dans les flammes. Bon, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles. Oh là là. Le chariot il va dans les flammes, ensuite tous les unités d'infanterie qui sont dedans, bah elles meurent. T'as des dérives à péter là, l'ennemi se fait de la thune gratos. Moi je m'en fous, et de toute façon il fait pas d'armée donc. Ouais. Mmh.
Bizarre, c'est... on n'a pas une notion de stratégie, c'est vrai. À ce niveau-là, ouais, si tu veux, je peux le péter, mais je cherche en fait les bâtiments du violet. Ah, j'ai trouvé. J'ai essayé de niquer le violet, mais. Nous avons de grands projets. La 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 la. J'arrive pas à savoir où il est pas près de sa zone. Bel emplacement. Je fous la thune, c'est vraiment pas un souci. C'est anecdotique par rapport à peu d'armée qu'il a et de bâtiments. Ouais, bah ouais. Mon délai est court. D'ailleurs, si tu veux, Derek, tu peux le détruire. Hein. Mmh. Ou le capturer. Ouais. Allez, je me fais un hélicoptère bonus. Ah, j'ai une dynamique de tunas, ça fait plaisir. Bon, où est l'ennemi? Ah, bah l'ennemi est là. L'ennemi bientôt ne sera plus là. Nous avons lancé notre missile nucléaire. Attaque nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a, Arsena? Je suis désolé, mais je vais y aller. Je viens de découvrir un jeu de simulation ou peut-être un boulot. Eh ben c'est bien, c'était à trouver ton futur bonheur, Arsena. C'est cool. Félicitations, général. Merci d'avoir été là. Prévu. Merci pour ta générosité. Bisous tout plein. Bon dimanche à toi, Arsena. Et bon app par avance. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Ouais, bientôt. Ah. Et le chat. Attaque artillerie. Ah, c'est rigolo. Je vais les faire suer. Regardez-moi ces attaques. Alors que ma tunasse augmente, vous voyez ça en bas de l'écran. Je vais faire un champ de mine juste en face de ces véhicules. Mmh. Il est encore en train de jouer, mais c'est invraisemblable. Ça n'a pas de sens. Et voilà. Deuxième service. Oui. Quoi réparer le canon Gatling? Voilà, canon Gatling. Boing. Je dois faire deux groupes d'armées qui partagent le terrain parce que là ça devient impossible. Ah. C'est un bon choix. Allez, un petit tapis de bombe. Juste là. Un petit tapis de bombe. On va détruire le. Gatling, prêt. La caserne. Patrouille aérienne en position. Appui aérien, trop bien. Tu nages. Tellement de Chinois, c'est indécent. Ils sont si nombreux. 50 millions de Chinois. Et moi. La moitié en pirate de l'internet. Là là, tunache. Ah. La construction est terminée. Je construis pour la Chine. Il n'y a pas de système sûr. Problème de la destruction, pas du commandement, missile nucléaire. Attends, c'est quoi les technologies chinoises que j'ai pas développées? Alors, chargeur auto, 3-15 minutes de guerre, nationalisme, message lumineux, ouais, bon, bof. Non, je crois que je vais finir par construire que des silos nucléaires. C'est bon, il a été éliminé. Ah, il a été éliminé. Même pas le temps. Il est trop fort. Qui est trop fort? Moi ou toi? Ou l'ennemi? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai désactivé son système. Il y a toujours moyen d'entrer. Installez ici. Ah, c'est beau dire. Je vais assécher la route. Il n'y a pas de système sûr. On appelle tout Panzer. Préparation du transfert de fonds. Construction. Oui, mais... Je construis pour la Chine. Ah si, je peux en faire un. Bon, je me refais un silo nucléaire. Officiel, il est mort. Mm-hmm. J'ai mon portable. Je vais assécher l'internet. Là. Tous les petits dollars. Tune. clic, c'est un support. C'est vraiment... Dans le jeu de base, justement, ce clic, il était vraiment strident et il tapait un peu sur les nerfs. Du coup, ils l'ont supprimé. Dans l'extension. Ah... J'avais jamais fait gaffe, mais merci de l'info, c'est intéressant.
Ça a dû énerver plus d'une paire de joueurs et plus d'une flottée de joueurs. N'hésite pas à faire un shootout si tu veux au niveau de la modération pour Arsenos TV, s'il te plaît. Pour le mettre en lumière. Même moi, je suis pas sûr de le suivre. Il faudra que j'en perde tout à l'heure. Va s'abattre au travail. Préparez le canon Gatling. Mais non, oh, le chat qui parle. Ouais. Je vais faire un hélicoptère d'attaque. Une cible à me désigner. Ah, je sais pas, il y a tellement de choses. Surtout, arrêtez-vous bien que sur les lignes de front, ils se fassent tuer. Hein. Bravo la logique. Hein. Les soldats, ils Gatling. Arrêtent d'avancer, puis... Ouais. Oh bah non, on décide de s'arrêter. Bientôt, je vais avoir l'arme nucléaire opérationnelle. Ah, son dos, ouais. Oh la vache, comment tu les mitrailles. Oh là là, t'as déogradé dans tes troupes, ils sont forts. Je veux voir ouais, déogradé, ouais. Ouais. Oh là là. Trois exécutions. Les commandos de... de légionnaires, là, c'est... La violence. Regardez-moi cette violence. GG. Bon, bah écoute, je te laisse finir. Ah oui, je m'amuse. Regardez du côté de, voilà, de en haut à droite. Oh bah c'est normal qu'on te fasse la dédicace, Arsenos. Mais c'est vrai que moi, je sais même plus moi-même si je te suis ou pas. Faudrait que je vérifie tout à l'heure. Que j'ai plaisir de temps en temps à te faire un relais de chaîne. Missile nucléaire, paré au lancement. Missile nucléaire, dans leur gueule. Nous avons lancé notre missile nucléaire. Dans leurs yeux. Et bien... Ah oui, là, ils ont rien vu, là. Ils vont être tout éblouis. Voilà. Félicitations, général. Vous avez... Je vais lâcher avec un tapis de bombe. Oh là là. Je vais mettre un tapis de mine devant le... J'ai fait l'infanterie. Un strike, magnifique. Je crois que le bleu est mort. Ah. Non, il est pas mort. Comment j'ai fait agoniser le vert. J'ai été monstrueux. Bidibi. Oui, quoi? Pour qui se prennent-ils? C'est bon, on les a attaqués. C'est fini pour eux. Ils ont l'air si petits. Pour qui se prennent-ils? Punissez-les. Je les achève à la... Un hélicoptère. Ouais, je vois toute mon armée, ils sont décédés. Pour qui se prennent-ils? Unité perdue. Voilà. On a fait les vilains, on a tout exterminé. Comment ils partent en fumée? Oh là, t'as des armes horribles. Ils partent en désintégration, mais leur poussière part au vent sous forme incandescente. Ouais. C'est horrible. Enfin, ouais. Regarde-moi, c'est pas mieux. Voilà. Chargeons ces canons. Nous une sommes victorieux. N'importe quoi, c'était rigolo. Play. Voilà, on a réussi. Oh, comment tu gères les ressources? Mais c'est fou. Ah oui, non, mais j'y vais à fond. Hein. Ah ouais, non, mais moi je suis un clampin à côté. Et on va pêcher à la folie. Et eh ben, bon, bah, je propose. Ouais, GG, je propose qu'on en reste là, c'est bien. Oui, il est quasiment midi, ouais, c'est... mais c'était cool, merci. J'en prie, moi aussi, j'ai trouvé que c'était cool. Ah ouais, merci. Et à l'occasion, on se fera une palme. Ouais, bien sûr. Merci tout plein, Nayonet. Bonne nuit, bon dimanche à toi. Merci à toi aussi. Mickey, Mickey. Hop, je raccroche la conversation. Oui. Au revoir dans le chat du sage, à très bientôt. Au revoir. Ciao ciao, Missy Poutou. Alors, qui Game Ranger, oui. Ah, oh, c'était adorable. Merci Nayonet.
Attendez, excusez-moi, je gère mon Discord. C'était cool. Je mets le petit bonhomme avec le chapeau cotillon de fête. Parce que j'étais bien. Vous m'avez dit bonjour dans le Discord. Je vous mets les petits cœurs. Bonjour tout le monde. Merci tout plein. Le chapi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Attendez, j'essaie de me rebattre avec la webcam pour essayer de la récupérer. Et puis je vais faire mon miam aussi. Je vais vous mettre un peu en pause. On va se lancer sur du Spell Lucky. J'arrive.